Bien que le XXe siècle soit celui des mouvements de foule, les grands rassemblements de mai sur le forum d'Alger resteront une des surprises de l'histoire. Ce phénomène collectif sans précédent qui s'étendit bientôt à l'ensemble du pays, et surtout cette participation des musulmans qui depuis 4 ans se cantonnaient dans la réserve, ont provoqué dans le monde un tel étonnement que les observateurs crurent d'abord à un enrôlement contraint et forcé. Mais devant cette levée en masse, les plus sceptiques durent se rendre à l'évidence. Le mouvement algérien n'était plus seulement le sursaut patriotique des Européens se croyant menacés d'abandon, il devenait aussi la manifestation d'espoir des musulmans libérés de la peur. La révolution algérienne eut sa nuit du 4 août. Les Européens firent abandon de leurs privilèges et, dans cette fête de la fédération permanente, les mots égalité, fraternité, justice revenaient sans cesse. Pour la première fois, un choc psychologique mettait si étroitement en contact Européens et musulmans que la fusion apparaissait possible. Ainsi naissait dans les esprits l'image d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie fraternelle, où les deux communautés marcheraient la main dans la main. Les femmes ne furent pas les dernières à se mêler à ce courant irrésistible. Prisonnières de leurs traditions ancestrales, elles virent dans ce mouvement placé sous le signe de l'égalité l'occasion de hâter l'heure de leur émancipation. Pour elles, comme pour leurs sœurs du Maroc ou de Tunisie, le symbole de leur asservissement aux coutumes du passé est le morceau de tissu qui recouvre leur visage. Pendant ces heures de fièvre et d'exaltation, on vit dans toute l'Algérie bien des visages se dévoiler. Pendant des jours et des jours, le forum d'Alger fut une sorte d'immense creuset bouillonnant où des éléments de nature différente entraient en fusion sans que l'on pût savoir ce qui résulterait de cette synthèse. L'unanimité, il est vrai, s'était faite sur un nom. Pour les Européens, Charles de Gaulle est l'homme du 18 juin, le soldat qui a refusé de baisser le front devant l'adversité. Pour les musulmans, c'est le général victorieux, qui symbolise la force de la France et aussi son libéralisme, car ils n'ont pas oublié les promesses de Brazzaville. C'est le héros digne de prendre place dans les mythes poético-révolutionnaires de la légende arabe. Pour tous, c'était l'homme capable d'unir les deux communautés dans la paix aussi étroitement que l'avaient été dans la guerre les compagnons d'armes européens et musulmans. Mais si les noms des frères d'armes Antoine Ponce et Mohamed Zeman sont gravés sur le même marbre, les cimetières d'Algérie illustrent symboliquement la séparation des deux communautés qui, l'une et l'autre, ont reçu la terre algérienne en héritage. Jusqu'ici, la fusion totale n'a jamais pu s'accomplir. Et pourtant, la cohabitation n'a jamais soulevé de problème. Le mot ségrégation n'est pas français. En Algérie, les scènes de la vie quotidienne donnent l'apparence d'une interpénétration si étroite des populations qu'un observateur superficiel imaginerait mal qu'un fossé ait pu se creuser entre elles. De même, les écoles fournissent des preuves si évidentes de l'égalité des écoliers de toute race que les images les plus naturelles ont l'air d'illustrer des thèmes de propagande. Et pourtant, entre les deux communautés, une inégalité fondamentale existait. L'histoire de l'Algérie est bien connue. Pays pauvre, habité au siècle dernier par une population réduite et disparate, acharnée à tirer une maigre subsistance d'un sol ingrat.
la mise en valeur de ce pays déshérité a exigé un important apport de capitaux et de techniciens, qui fut l'œuvre des Européens. Il s'est passé ici ce qui se passe dans tous les pays vivant dans un régime d'économie libérale. En contrepartie de leur apport, les Européens acquirent une condition supérieure à celle des musulmans. Si tous les Européens n'étaient pas de riches colons et tous les musulmans de pauvres fellahs, personne ne conteste que le standard de vie des premiers était supérieur. Leur horizon n'était pas celui de la Casbah ou des bidonvilles, et jusqu'à une date récente, on comptait bien peu de locataires musulmans dans les beaux immeubles d'Alger. Mais on peut à cette inégalité trouver bien d'autres causes. Paradoxalement, le développement de l'hygiène et de l'assistance médicale est une de ces causes. La population musulmane est passée de 2 à 9 millions d'âmes en un siècle. Il eût fallu qu'à cet accroissement démographique exceptionnel correspondît un développement économique parallèle. La pauvreté du pays ne l'a pas permis. À ce déséquilibre s'ajoutaient encore les discriminations qu'entraînait inévitablement dans la vie quotidienne le respect des gouvernements français pour les croyances et les coutumes. Enfin, des inégalités plus profondes, tribunaux différents, système électoral avec deux collèges distincts, tout contribuait à donner aux musulmans le sentiment de ne pas être des citoyens à part entière. La rébellion qui depuis 4 ans déchire ce pays a trouvé là un de ses prétextes et sans doute le principal. L'objectif des forces militaires est donc d'enlever à cette rébellion toute raison d'être en multipliant les efforts pour rapprocher les deux communautés. Il est à peine nécessaire de rappeler les actions entreprises dans le bled par les officiers des sections administratives spécialisées. Et dans les villes, l'œuvre accomplie par les officiers des sections administratives urbaines, avec l'aide bénévole d'étudiantes de la métropole, devenues pour la durée de leurs vacances, les assistantes sociales de la Casbah et des bidonvilles. Tous ces contacts directs, tous ces conseils, tous ces rapports humains et déjà fraternels ont sans doute contribué à créer un climat moral propice à la réconciliation. Certains signes, certaines preuves de fidélité à l'œuvre commune avaient fait naître des espoirs nouveaux. La découverte du pétrole saharien démontrait qu'en retrouvant la paix, l'Algérie pourrait du même coup voir s'ouvrir devant elle un avenir de travail et de prospérité jusqu'alors insoupçonné. L'importance de cet apport saharien, qui pouvait bouleverser l'économie du Maghreb, de l'Afrique et peut-être même de l'Europe tout entière, n'avait pas échappé à l'homme qui, quelques mois plus tard, devait, sur cette même terre, découvrir une flamme immense sortant de toutes les âmes. Dans Alger la Blanche, devenue Alger la Tricolore, dès l'instant où Charles de Gaulle se trouva en contact avec ce peuple qui avait chassé de lui-même tout esprit de discrimination, il comprit que de grandes choses pouvaient s'accomplir. Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui, jusqu'à présent, étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Puis, s'adressant aux rebelles. Moi, De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Tout au long du périple algérien qui allait successivement le conduire à Constantine, à Beaune, à Oran, à Mostaganem, le général de Gaulle devait vérifier l'importance de la participation musulmane au mouvement déclenché par le choc des événements de mai. Un émouvant dialogue s'était engagé entre un homme et une foule, animé d'une estime réciproque, décidés l'un et l'autre à rechercher les moyens de régler enfin tout ce qui reste à régler dans ce pays. Mostaganem fut la dernière étape du voyage, et nulle part ailleurs on n'avait vu autant de burnous dans les foules rassemblées autour du président de Gaulle. Je porte, a dit De Gaulle, une des plus lourdes responsabilités de l'histoire. Cependant, partout en Algérie, l'unanimité fut telle que la formule désormais célèbre, 10 millions de Français, devenait un but accessible. 10 millions de Français.